Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette sucrée, un incontournable de nos desserts français, la tarte tatin. Donc, on prend la recette de Cookie Doux, tarte tatin, et c'est parti. Donc, je vais commencer à cuisiner. Préchauffez le four à 220. Donc, ça c'est fait. On fait suivant. Un moule à manquer. Donc, c'est un moule qui va pouvoir se défaire avec des charnières, mais vous pouvez très bien aussi le faire avec un plat à tarte, il n'y a pas de souci. Il vous demande de le beurrer, donc soit vous mettez du beurre et vous étalez avec un sopalin, soit si vous avez la bombe, vous faites avec la bombe. Hop. Voilà. Ensuite, on nous demande 200 g de farine. Donc, on fait la tarte et c'est parti pour 200 g. Hop. Un petit peu plus, c'est pas très grave. Ensuite, on fait suivant. 100 g de beurre. Coupé en morceaux. Voilà. Ensuite, on fait suivant 70 g d'eau froide. Très important, si c'est précisé de l'eau froide, il faut vraiment mettre de l'eau froide. Si on vous dit de l'eau, c'est de l'eau à température ambiante. Donc, pour les petites quantités, je vous conseille d'utiliser notre petit gobelet doseur. Donc, on va juste le déclipser pour ne pas être embêté. On fait la tarte. Et du coup, on va venir peser dans le gobelet au cas où on ait la main lourde. Voilà, 70 grammes et vous n'avez plus qu'après à les verser grâce au bel verseur dans votre thermomix. Au moins, si jamais ça coule un petit peu trop, vous êtes en sécurité. Ensuite, on fait suivant. Une pincée de sel. Donc moi, c'est du beurre salé, du coup, du beurre demi-sel. Du coup, je ne rajoute pas de sel. On fait suivant. On insère le couvercle avec le gobelet. Et là, on est parti pour 20 secondes à vitesse 4. Donc, je prépare mon petit film plastique qui va me servir à mettre ma pâte après au frigo. Voilà. Prendre la pâte sur un plan de travail, la baisser en carré, l'envelopper de film alimentaire, puis réserver au frais. Hop. Donc, je récupère ma spatule. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Donc, on récupère bien la pâte qui est sur les parois. Hop. On va retourner. On tourne les petites hélices comme ça pour faire tomber notre pâte. Voilà. Hop. S'il en reste beaucoup, vous mettez un petit coup de turbo, ça va mettre tout sur les parois de votre bol. Hop. Là, moi, j'en ai pas besoin. Je récupère juste, voilà, sur les parois. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu d'eau dans le bol avec un petit peu de liquide vaisselle et on va faire le nettoyage. On va faire un nettoyage rapide. Alors, de l'eau chaude de préférence. Voilà, si vous avez un deuxième bol, j'en ai un, mais je pense à celles qui n'en ont pas. Vous pouvez juste faire tremper votre bol et après vous enclenchez la recette. Donc du coup, je fais maison, je fais mon petit turbo et pendant que je façonne, j'envoie des petits coups de turbo en 2 secondes pour nettoyer mon bol. Instant, vous faites un petit carré avec votre pâte que vous enveloppez. Hop. Et on va bien mettre au frigo.
on appuie sur maison. Là, notre bol est propre. On va juste le nettoyer et le rincer. Hop. Donc, je vous retrouve dans 2 minutes. Je ne vais pas vous embêter avec mon nettoyage. Et voilà, le bol est propre et nettoyé. On peut enclencher la suite. Donc là, on nous dit que pour garantir le succès de la recette, il est très important de respecter parfaitement les quantités. Parce que là, on va faire le caramel. Et pour le caramel, c'est très important vraiment d'être très précis dans les quantités. Donc, on va mettre 150 g de sucre. Donc, c'est du sucre blanc. Le sucre roux, ce n'est pas le même temps de cuisson. Hop, voilà. Attention, précision, précision. On fait suivant. 70 g de beurre froid. Je reviens. Donc voilà avec mon beurre, car j'avais oublié de sortir une nouvelle tablette. Donc 70 g de beurre froid. Donc de beurre qui sort du frigo. C'est parti. Soyons très précis. Oula, 71. Bon, c'est pas très grave. On fait suivant. 30 g d'eau. Donc, exactement comme tout à l'heure. On va utiliser le gobelet doseur pour être vraiment très précis avec les mesures. Là, on vous demande de l'eau tout court. Donc, c'est de l'eau à température ambiante, de l'eau du robinet. Donc, on va mettre 30 g. Je recommence puisque j'étais à 32. Donc, je recommence. Vous voyez pourquoi il est très important d'utiliser son gobelet doseur. C'est la petite astuce du jour. Ah, ben alors. Attends. Je vais en enlever un peu. Non, bah écoutez, je préfère recommencer pour ne pas me tromper. Hop, 30 grammes, c'est vraiment pas beaucoup, donc faites attention. Voilà, bon, 32, c'est bon. Hop, j'en laisse une goutte dans le gobelet, au moins ça sera 30. Une cuillère à café de jus de citron. Hop, j'ai disparu, je reviens. Donc, une cuillère à café, hop. Moi, je le fais toujours à l'œil, mais je dis non, faites-le avec votre cuillère à café. Ensuite, on fait suivant, on insère le couvercle avec le gobelet. On va mettre le couvercle anti-projection. Hop, juste ici chez moi, voilà. Et on va terminer et on est parti pour 10 minutes en haute température. Voilà, pendant ce temps, on vous conseille d'éplucher vos pommes et de les couper en 4. Les couper en 4, puis couper chaque quartier en 2 et réserver. Alors, moi, les pommes, je les coupe juste en 4. Je trouve que c'est bien meilleur d'avoir des gros morceaux de pommes quand on mange la tatelle. Donc, après, à chacun ses goûts et ses envies. On se retrouve dans 10 minutes après la cuisson du sucre et les pommes épluchées et coupées. Et voilà, notre sucre est prêt. On fait suivant. Hop. Et on enchaîne. Du coup, on va transvaser le caramel dans le moule préparé. Donc, c'est parti. On verse notre caramel. Hop. Voilà. Hop. Parfait.
Et on nous demande d'enchaîner très rapidement du coup avec le nettoyage. Donc on nous demande une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Ensuite, on va nous dire 1 litre d'eau. Hop, j'arrive. 1 litre d'eau et on va enclencher le nettoyage pendant qu'on continue la suite de la recette. Hop. Voilà, on fait suivant, on met le couvercle avec le gobelet, le nettoyage est intégré à la recette, donc vous n'avez plus qu'à tourner pour envoyer votre nettoyage. Du coup, nettoyage en cours, on appuie sur aperçu. Hop, pardon, non. Alors attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà, je vais ouvrir l'aperçu pour voir déballer la pâte. Non, on n'est pas au déballage de pâte. Alors, juste avant, moi, j'ai voulu, pendant que le sucre se faisait, j'ai voulu regarder la suite de la recette. Donc, je pense que c'est pour ça que je me suis retrouvée à ceci. Donc, en fait, vous, non, je pense que dans le stade suivant, on vous demande juste de mettre vos pommes sur, dans votre plat. Alors, on va essayer de mettre vos pommes sur le plat. J'ai une petite pépin qui est restée là. Voilà. Donc comme je vous disais, moi j'ai coupé ma pomme en quatre uniquement. Le caramel est très chaud. Voilà. Donc on va disposer nos pommes comme ceci. Peut-être un peu trop grosse. Hop, voilà. Du coup, ça, je vais essayer pour voir, pour la mettre au milieu. Hop, donc on dispose nos pommes. Celle-là, elle est grosse ici. Donc, du coup, moi, mes pommes, elles étaient petites. Les trois quarts étaient petites, donc du coup j'en ai pris 5. J'en avais même fait une sixième ici pour au cas où, et je pense que c'est bien, que j'ai bien fait. Voilà. Le caramel est délicieux. Je fais ma gourmande. Hop. Voilà, donc ça au milieu. On va faire comme ceci. Hop. Et on a même un petit bout là. Voilà. Donc, c'est prêt. Oh, je me suis accrochée. Donc, si je fais suivant, déballer la pâte à l'aide. Déballer la pâte et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. L'ABC de la grandeur du disque. Donc, moi, je prends mon petit. Hop, mon petit tissu spécial. Pâte. Je récupère ma pâte. Hop, elle est ici. Et du coup, on va abaisser la pâte avec un petit peu de farine sur le plan de travail. Hop, et un petit peu aussi sur le rouleau à pâtisserie. Voilà, vous y voyez, c'est parfait. Hop. Donc, on va abaisser sa pâte. Donc vous allez essayer de lui faire un cercle le plus possible. Après, c'est pas très grave. Vous la faites surtout plus grande que votre moule parce qu'après, on va devenir faire des rebords. On aurait pu rajouter de la cannelle dans la pâte. J'y ai pas pensé avant, mais quand on fait la pâte, on aurait pu rajouter de la cannelle. J'en ai ici. J'en ai ici. Du coup, je vais en rajouter un petit peu sur ma pâte. Mais le mieux, c'est de le faire à la préparation
en amont. Je n'y ai pas pensé cette fois-ci. Moi, j'aime bien le faire. Voilà. Hop. Donc, posez la pâte sur les pommes en la repliant sur les bords, puis piquez la surface de la pâte avec une fourchette. Donc là, on doit être bon. Je vais prendre mon plat. Voilà, si on le met par-dessus, on est plutôt pas trop mal. Donc, pour que vous y voyez, je vais faire comme ça. La fourchette, elle est prête. Voilà. Donc, je vais prendre ma pâte. Hop, vous pouvez la poser sur votre rouleau en roulant comme ceci. Voilà. Et vous allez venir la déposer sur votre plat. Tac. On va retourner hop, à l'intérieur les bords. S'il y en a trop, hein, vous pouvez les couper aussi. Hop, voilà. S'il y en a trop, vous les coupez et vous rentrez sur les bords de votre moule. Pour que vous y voyez bien. Hop, il va me rester. Voilà. Donc, hop. Voilà, et on va venir piquer notre pâte un petit peu partout. Et ensuite, on va la cuire 30 minutes à 220 jusqu'à ce que la surface soit dorée. Voilà, donc on se retrouve dans 30 minutes. À tout à l'heure. Ça y est, je viens de sortir ma tarte du four. Donc du coup, je vais hop, la retourner dans une assiette sans me brûler. Hop. Voilà. Et voilà notre tarte tatin. Très appétissante. N'hésitez pas à la servir avec une boule de glace faite maison. C'est un vrai délice. Une autre alternative à la pomme, vous pouvez aussi la faire à la banane. Vous trouvez la recette sur Cookie Doux. C'est la tarte tatin à la banane. Elle est juste délicieuse et hyper rapide à faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao, ciao.